Vous tous, vous pouvez vous asseoir. Acclamons Dieu par des applaudissements pour acclamer. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh,
la ayili toya tobo bam jerusalem parga ayela kagendi Jerusalem parga ayela kagendi Aïe, les toits, Il est toi à tout, tu pas me jolis à la palga. Aïe, la carrière. Pour cela, on a un bal à Kosovo. Nous rendons grâce à Dieu. On a un sensant de nous d'aller à Tanela Fouinga. Parce qu'il a permis que ces jours arrivent en paix. On a un dit Waouri. Et que Dieu soit glorifié. À Jésus, ma semi. Au nom de Jésus. Et pour ça, nous souhaitons la bienvenue à tout le monde. Nous souhaitons la bienvenue au bureau exécutif du Larango. Vous avez vaincu. Nous allons dire merci à notre coordonnateur, docteur Yamwego Enoch. Le docteur Yamwego Enoch. Nous lui souhaitons la bienvenue. La langue qui nous a donné sur ma jour sur ma au commissaire absent ou à la représentant pour le bongo. Nous souhaitons la bienvenue au commissaire ou son représentant. La langue qui nous a donné sur ma nous allons pour le dama ne bongo. Nous souhaitons la bienvenue au maire de Zungu et ses collaborateurs. La langue pour sa maire dama face un yiton département à maniga fan pour un bécawa. Nous souhaitons la bienvenue à tous les maires qui sont venus des 8 communes de Ganzurugu. La pousse de préférément Bamobniga fan Saint-Oron Tabka Saint-Yabli présentant là-bas. Nebuongo. Nous souhaitons la bienvenue à tous les 8 préfets de 8 communes ou leurs représentants. La nam pousse à ton santé numéro 2 coordonnateur Nebuongo. Nous souhaitons la bienvenue au coordonnateur du centre numéro 2. Santé numéro 2, il y a ton boulisa, il y a Koupéla, il y a Wargaï, Atankudugo, la Joloro, la santé numéro 2. Le centre numéro 2 se compose comme suit: Boulsa, Zorgo, Tenkodogo, Koupéla. Et maintenant, il y a un tien à toi pour se donner tout à sa son wakana, la ramton, tellement le sinoura. Nous souhaitons la bienvenue à toutes les autres communautés religieuses qui ont fait le déplacement. C'est la mission catholique. Si c'est la mission catholique. C'est la mouema. Les musulmans. Ne l'oromikana namsa. Ou encore les chefs coutumiers. Et pour de la baraka ne wongo. Nous vous souhaitons la bienvenue. La langue qui est en train de se faire. Au sein de l'église, nous allons dire merci aux quatre structures de l'église. C'est la Jade. La Jade. La AEC. La AEC. La MEBO. Le MEP. La Denada. Le Denat. Et pour la fin de Bouango. Nous leur souhaitons la bienvenue également. La langue qui est en train de se faire dans ma fin. Nous allons souhaiter la bienvenue à tous les pasteurs. C'est Yi Guabaga. Ceux qui sont venus de gauche. C'est Yi Ritro. De droite. C'est Yi Pore. Derrière. Là, c'est Yi Taure. Ou devant. On va katen sinoura yinga. Et qui sont venus ici pour cette cérémonie. Bewenam le benyara tile benen la fi. Que Dieu vous raccompagne en paix. A Jésus ma seminga. Nom de Jésus. Et namba sal poujma. Nous allons terminer notre mot. Ne tenga naba se jung naba atanga.
pour dire merci au chef de Zongo. Nous lui souhaitons la bienvenue. Parce que dans la tradition, on dit. Et si votre terre n'a pas de nom, ça ne peut pas bien donner, c'est pas rentable. Disons merci. Et pour terminer, nous disons merci à notre papa Eli Kabore et la maman Esther. Nous vous disons merci. Grâce à votre victoire, et que nous sommes là. Que Dieu continue de vous accompagner afin que vous puissiez y arriver au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok, pour ça, président Barakusmo. Nous disons merci au président régional pour son mot. Et Dieu le bénisse et le fortifie au nom de Jésus. Nous attendons la prestation de la chorale Jade de Zungu. Yeah.
Adama Kabore est né vers 1942 à Wemyore, un village de la commune rurale de Zungu, dans la province du Ganzulugu. De parents animistes, nul ne l'aurait alors destiné au salut, ni au ministère qui allait être le sien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein,
dit la Bible dans Romains chapitre 8, verset 28. C'est ainsi que les événements de sa vie, parfois malheureux, le conduisirent à rencontrer le Seigneur et à devenir un témoin fidèle. En effet, à l'âge de 3 ans, ses parents se séparèrent et sa mère partit vivre à Ouagadougou, le laissant seul avec son père. À 12 ans, il perdit son père et dut s'enfuir pour rejoindre sa mère à Ouagadougou. C'est là qu'il entendit pour la première fois le message du salut dans des circonstances peu communes. Des enfants du quartier, non chrétiens, récitaient ce passage de Actes 16, 31. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Intrigué, il les interrogea sur la signification de cette parole. Ils lui répondirent qu'elle leur fut enseignée par un pasteur qui signifiait qu'il irait au paradis à leur mort s'ils croyaient en Jésus. Cette parole le toucha, si bien qu'il la garda au plus profond de son cœur. De retour à Ouagadougou, après un court exil en Côte d'Ivoire, cette parole le poussa à franchir les portes de l'église des Assemblées de Dieu d'Otogar, l'actuelle église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou, en mars 1960, et y donner sa vie à Christ avec feu le pasteur Joseph Wiraogo. Il passa par les eaux du baptême la même année et prit alors le nom d'Élie. Mariage et famille. En 1963, Élie Kabore rencontra Esther Zarlé. Née vers 1946 à Komsilga d'une famille également animiste. Esther a donné sa vie au Seigneur le 1er août 1962 et a été baptisée en 1963. Le 11 avril 1964, Élie et Esther furent unis par les liens sacrés du mariage célébré par le missionnaire Zens à l'église des Assemblées de Dieu d'Otogar de Ouagadougou. Dieu bénit leur union en leur donnant 6 filles et un garçon, desquels leur naquirent 16 petits-enfants. En plus de leurs 7 enfants, ils ont recueilli et élevé plus d'une trentaine d'enfants. Appel au ministère et premières œuvres. En 1965, Élie et Esther intégrèrent l'école biblique de Narmaré en réponse à l'appel du Seigneur pour le ministère pastoral. Pendant 3 ans, ils reçurent l'enseignement de la parole de Dieu qui les nourrit et les forgea pour l'œuvre qu'ils allaient avoir à mener. Élie obtient son diplôme pastoral en avril 1968. Parallèlement à ses études bibliques, Élie fut sollicité pour la traduction de la Bible en Moré avec le missionnaire américain Eva Radanos, qui de 1966 à 1978. De 1969 à 1978, il donna également des cours en alphabétisation à l'école biblique. Le ministère pastoral à Zungu. À la fin des travaux de traduction de la Bible en avril 1978, soucieux du salut des siens, le pasteur Élie Kabore décida de retourner s'installer à Zungu, son village natal, accompagné de son épouse et de leurs enfants, pour y prêcher la bonne nouvelle. Malgré un milieu réfractaire à l'évangile et des conditions de vie difficiles, ils réussirent par la grâce de Dieu à fonder l'église des Assemblées de Dieu du Zungu. À ses débuts, l'église comptait 2 personnes en plus de la famille. Le culte se tenait alors dans le salon de la résidence du pasteur. Dieu multiplia cette assemblée et leur accorda les moyens de construire un premier local pour l'église en 1980. Le bâtiment actuel fut construit en 1996. Outre leur engagement dans l'église locale, le couple Kabore a contribué à l'œuvre des assemblées de Dieu, aussi bien au niveau régional que national. Élie occupa ainsi les postes de trésorier général de la région de 1987 à 1997, président de la sous-région de 1997 à 2002,
président de la région de 2002 à 2013. Membre des garants des assemblées de Dieu de décembre 2009 à juin 2013. Membre du conseil de discipline des assemblées de Dieu de juin 2013 à janvier 2019. Il est également membre du comité pour l'organisation du centenaire de l'église des assemblées de Dieu du Burkina Faso qui aura lieu en 2021. Quant à Esther, son épouse, elle est l'une des pionnières de la mise en place dans la région de Zorogo de l'association des servantes de Christ AIC dont elle devient présidente en 1980. En 2002, elle quitte la présidence mais reste membre du bureau jusqu'en 2016. Elle en est depuis conseillère. Elle est également membre du comité de médiation du bureau national de l'AIC. Contribution au développement socio-économique de Zungu. Durant leur séjour à Narbarlé, conscient qu'ils retourneraient s'installer à Zungu, le pasteur Elie et son épouse décidèrent de se former à une activité qu'ils pourraient exercer sur place. Ils choisirent alors l'agriculture, plus précisément le maraîchage, qu'ils pratiquèrent parallèlement aux travaux d'Elie à l'école biblique. Une fois installés à Zungu, ils retrouvèrent des terres pour implanter leur activité. Ils initièrent les habitants du village au maraîchage, ce qui contribua énormément à l'essor économique local. Au début des années 90, pour pallier le manque d'eau qui ralentissait l'agriculture pendant la saison sèche, ils sollicitaient l'aide de l'ODE, Office de développement des églises évangéliques, pour la construction d'un barrage. Rapidement, la riziculture et le maraîchage se développèrent et aujourd'hui, 4 à 5 000 personnes pratiquent le maraîchage grâce à ce barrage. En 2000, lors de la Journée nationale du paysan, il est élevé au grade de chevalier de l'Ordre du Mérite de développement rural avec agrafe agriculture. À leur arrivée à Zungu, le village ne disposait pas de centre de santé. Grâce à son véhicule, le pasteur Elie a souvent servi d'ambulance pour l'évacuation des urgences médicales du village vers Zorogo, Koupéla et même parfois à Ouagadougou. Que cet exemple soit suivi par beaucoup d'entre nous pour l'avancement du royaume de Dieu dans le Burkina Faso. Amen. Dans quoi ça, Babi Gaye Saint-Yute, Zinyare, Luc, Wan Yil, Yonkwerankodo. Nous allons demander à notre frère Luc, qui vient de Zinyare, de venir faire une courte prestation. Bam, Yil, Lour, Pori. Après lui, sa prestation. Tonna, Nkilra. Zoom, Wendo Rasantar Kwayer Nan Koton. Nous allons écouter le mot de l'église de Zungu. When I'm pentumda, when I'm a yak yam ya, a ye teaching topu a pillar and that is me. Tim sa pousse, tous when I'm far away, Tim
son sen ya wuzro wena kwa ratabe la sen yine wena panga mam ko yim ti ko ba mo le ya isa yer wena mo ti te wena tunuga te tumna lok ne san le la ne san da be bala puya when I'm Lord of my Yinga, I've never to the mountain in which son say, I was born in 21 years ago. Waka Kanga, never born, love your own. Tentum Nasaka Pompez, who Saba Yulinga. Tentum Nakatoram Bora, Tenga Tore, Lanchel Lampamawa. Four lives and silly, Lord, I win a quarter. Say, I win a poor bamba, bam to run to my man, to my tower of yam, says he. Hatty Poen, Catalan Tom. Debo Balani, when I'm sent to know Bamba Mana. That's it, I win one. I'm your sentient thing up for a boom by fante, my man. Ting on a ten toes of me, ten yards of me, ten we got me. But I shall some betting a car, ya win up a mass of me. Oh, but I can't do many. La win up to the bantico song of a ting up for a. Did you put it up here, I'm swallow? I'm your son, Sack, when I'm borrowed, you must have a lower for it. Long of course, I'm a man, Timampa, a call up for her. You be like Nasong, Nasad, Nambat of Never, when I'm going to say, come on, Yabam Sabra, he died. So, so, I'm come, I've never to the Bamba, Thomas, I sold my papa, Yabam Sabra, he died. Sampa wende ananda twen yamba. Sampa wende ananda twen song yamba. Neba woto budu obdore yidu nitop kwa ba jeta fuwone kumya. Isa ye wende amwa zidi. Babu sinu wende kandado shini burjina fasoka. To the man of Tumalo, did never get a woman of Yella. Baba Badiru, Yaya Monohalawa. Baba Lazar Puke, Yaya Monohalawa. Baba Yatu Kudo, Yaya Monohalawa. Baba Sanona, Yaya Monohalawa. Hani Titaka, Hani Titaka, Upinu Asan Loge. Yan katolom pa mi amie. Alleluia. Yupinu atoringa tolunda war kuri. Aotubara. Yeti hati taka. Tebya ba eli wena biur pa mo. Alleluia. Alleluia. Que le nom de Dieu Tout-Puissant soit glorifié au nom de Jésus. Ah, ya soma wuzro. C'est très intéressant. Ya soma wuzro. C'est très intéressant. Ton se ya kombi sa. Nous qui sommes une. Et dikre baba wa nawri. Nous devons suivre ses pas. Ti wotuna ya dunuzu. C'est sur terre d'abord. Ton na wata arzana. Et un jour on sera au ciel. La ton sura na yino ngi. Nous serons contents, plus contents au paradis. Ti la daba biga kabore antan se ya e wendura ne da yemre sa nawari kwera. On ne sait pas, les mots nous manquent. Et c'est Dieu, nous allons laisser la place à Dieu pour vous dire merci. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom de Jésus. Je vais demander au Dieu Tout-Puissant. Je ne peux pas vous dire merci un à un. Je vais demander à Dieu pour que lui, il puisse dire, vous dire merci.
Vous qui avez fait le déplacement pour vous joindre à nous. Et pour qu'ensemble avec le papa et la maman, nous puissions nous réjouir. Et que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus. C'est vrai que à son arrivée à Zongo, et lui il était encore enfant. Mais si on disait que quelqu'un pouvait s'établir ici à Zongo jusqu'à ce jour et célébrer pour que les gens se regroupent en grand nombre, on va dire que tu as menti. Mais Jésus est capable de tout. Et nous savons que jusqu'ici, et Dieu a accompagné notre papa. Jusqu'ici. Que Dieu nous aide à nous également. Que Dieu, le Dieu qui l'a accompagné, que ce Dieu nous accompagne aussi. Au nom de Jésus. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas épuiser les œuvres que le papa et la maman ont accomplies. Nous écoutons le frère Kabore Mathieu. Sangame, Kelegia, Zalam Sangame, Kelegia, Zalam When I'm a Zampa Gutenga Zalam When I'm a Zampa Gutenga Sampalisoka Zalo Fotwende ngarara Ko tira tigi Winni nuga Sampalisoka Komersa Zalo Kampad penche siogo Nkoti zige liki Winama Sampako yoro Zalo Fotwende ngasarame Tabe Yakoboko Winni nuga sampali soka Elegea Zalo Lebe tempa matuma Tum halti tayupiga Wena ama sampako yoro Zalo Din wena ama sankamia Dunia na manamara Zusaba sampako tenga Zalo Tenkuga, winni nuga sampa gusaka. Tenkuga ni zalo, inarogo to santa. Babaga ya zuya, tore ya komoro. Lebaga wa abatuar, wena ama sampa gusaka. No komoro, zalo. Nina mindo kabiga, mbano kubinga pita piga. Wena ama sampa gukamba. Nogu binga, zalo. Kere me rogo kamba, mbogana mpida sega. Malagam pura takuma, kere pura talale. Bamdam takwaragam takwam tapam. We
when I'm a sample go come back. Then Kubri Zala. Then when I'm a Sangamia, come at the Panamada. Zusaba sample go tenga. Then Kuruba Zala. When I'm what I wear, call at the evening day. When I'm listening somewhere, Halavasia Wakat Ninga, see what I wear, call at the evening day. Big a evening day, Paga evening day, Rawa evening day. Duniana Manamara, Zusaba Sampa Gutenga Zala. Papa, oui, moi, c'est Wabo. Nous allons donner la parole au papa. Wangomne Tondo. Et il va venir prendre la parole. Amdakame ampose nebni fa sentilmam tumda poe tum tohati takawa. Je voulais dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu dans le ministère pour que je sois là où je suis aujourd'hui. Pipi ya ton longato damba. Et premièrement, c'est les responsables du Lango. Absonga mam wusho. Et ils m'ont beaucoup soutenu. Et c'est grâce à leur aide que vous croyez que moi j'ai vaincu. Et deuxièmement, et je voulais dire merci au conseil régional de Zorgo. Et la sous-région de Zorgo. C'est grâce à leur aide. Ils m'ont soutenu des quatre côtés, de toutes les manières. Et vous croyez aujourd'hui que c'est moi qui ai remporté la victoire. Et si on revient à Zungo ici. Je voulais dire merci au chef coutumier. Ils m'ont beaucoup soutenu. Si les gens disent que le pasteur a remporté la victoire, sachez que c'est parce que vous m'avez soutenu que j'ai remporté la victoire. Je vous remercie. Je voulais dire merci au chef de Zungu. Je lui dis merci. Pour le soutien qu'il m'a apporté. Je ne peux pas finir de compter. Pour terminer, je veux dire merci à mon épouse. Gloire à Dieu. Dieu m'a donné une bonne femme. Et elle m'a accompagné dans le ministère. Et grâce à elle, je n'ai pas rencontré des problèmes qui dépassent mes capacités. Des fois, certains rencontrent des difficultés parce qu'ils n'ont pas eu une bonne femme ou bien les femmes ne les ont pas soutenues. Mais
Mais moi personnellement, Dieu m'a donné une bonne épouse, elle m'a soutenu et grâce à elle, j'ai vaincu. Et les gens disent, c'est le pasteur, c'est le pasteur. Et je vais prendre l'exemple des lycées que j'ai. Si on doit faire la répartition, le calcul de mes biens, et on va évaluer pour mon épouse, ça va atteindre 60% et mes biens vont être à 40%. Est-ce que c'est pas une bonne épouse? Je vais demander aux jeunes dames. Soutenez vos maris. Si vous soutenez vos maris, si votre mari remporte la victoire, c'est vous qui avez remporté la victoire. Mais si votre mari échoue, donc la honte, c'est vous deux. Donc je vous demande, soutenez vos maris pour qu'ils puissent remporter la victoire au nom de Jésus. Pour terminer, je vais parler de mes enfants. Ils m'ont beaucoup soutenu. Ils m'ont beaucoup aidé. Et ici, je peux dire que Dieu m'a donné de bons enfants. Jusqu'ici, et aucun enfant ne m'a honni. Je leur dis merci pour leur soutien. Je demande aux autres enfants, quelle que soit la personne, si vous soutenez vos parents, et ils seront élevés. Et votre papa se ne peut pas vaincre. Mais ceux ensemble, vous le soutenez, il aura la victoire. Quand les gens disent que le pasteur a remporté la victoire, et quand les gens entendent, mes enfants sont plus heureux que tout le monde. Oh, bien mes enfants. Ils disent que c'est ça. Je demande aux autres enfants de soutenir leurs parents, ne leur mettez pas la honte. Si vous honnissez vos parents, c'est à vous-même que vous avez fait ce mal-là. Mais si par votre soutien, votre papa est élevé, et Dieu va également vous honorer. Et si vous alliez rester sans être connu, vous serez honoré et connu et les gens vont vous féliciter. Que Dieu vous bénisse tous. Au nom de Jésus. Que Dieu le bénisse. Que Dieu bénisse ses enfants. Que Dieu bénisse ses petits-enfants. Et que Dieu bénisse nous tous qui sommes là. Au nom de Jésus. Nous allons écouter Madame Ouidraogo. Ma wina mpuga yalma, lamba ona tentum numa. Bamra mukoruka, bamra mvoruka. Si safari inga, mba ona tentum numye. Bamram vorta, si sa famara inga, embona tentum lumie. Ebome, ebigensa me, la mianda me, kentum songa lauto.
Ti bam ne bo wa burkina ti
Assemblée de Dieu Burkina Faso, yoname ya solom damba. Et il y a des régions concernant les assemblées de Dieu. Ya solom damba me yoname ya sainte damba, la tonbe sainte numéro yibensoba. Il y a des regroupements au niveau des régions et nous appartenons au centre numéro 2. La sainte numéro yibensoba la mention de Katia solom nuna tabe ya centre kanga. Solom damba. C'est la composition du centre numéro 2 qu'on a cité, il y a 5 entités là-bas. Tonta tumda hana nkiene. Et nous sommes arrivés à une étape où on doit écouter la parole de Dieu et le mot du bureau exécutif de Lango. Il y a docteur Enoch Yamwego, C'est le docteur Enoch Yamwego qui va venir donner la parole de Dieu. Bambe bureau exécutif pour. Il est membre du bureau exécutif. La Bamla coordinateur national Hankon, centre numéro 2 Ning Mam Sinyetan. J'aimerais à la suite de ceux qui m'ont précédé, présenter mes honneurs à toutes les autorités de tout type ici présentes en ce moment. En vos rangs et grades respectifs, je vous présente tous mes respects. Nyam san ya tumno ning tor sofa et datame en pernyamba la el pousse ne won ton suka. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ton son pousse sa ton la kadwen amgwama pour lire et natam karme dans le livre de Moïse nan karma nombre son dob sebra un des livres de Moïse. Ya sebra yemra Moïse ngulse nombre sondobo chapitre 8 chapitre aniwa. Nous allons lire les versets 19 et ensuite nous lirons des versets 23 au verset 26 sankarma vers pila waya ne vers pisila tamba tamba pisila yove nombre 8 19 et 23 à 26.
Sondebo, chapitre ni verset pila ouais, les versets pis la tan la pis la yoba. Je répète pour la dernière fois avant lecture. Et Dengtir Karmé, nombre 8, Sondebo, chapitre ni verset 19, verset pila ouais, et du 23 au 26. L'argan karam verset pis la tan pis la yoba. Certainement qu'à Mori, vous allez commencer par le verset 18 pour que ce soit compréhensible. Mora, tensingane verset pila niwa na yiti tongu masoma. Nous y lisons. Et karam dame. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils, du milieu des enfants d'Israël, pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël dans la tente d'assignation, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël, et pour que les enfants d'Israël ne soient frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. À partir du verset 23, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. » Verset 26, pour terminer. Il aidera ses frères dans la tente d'assignation pour garder ce qui est remis à leurs soins. Mais il ne fera plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leur fonction. La moissa, mamdega Lévite Ramba, teblete Israël neba kom dem safa. Verset pila, ouais. Mamia kabam Israël neba soka, onkon Aaron ne akamba, tebman sekro ratouma, onkon Israël neba. La ma la obman, pasor tumde baminga, pasor tumde baminga, ti Israël neba, rakoloro zisongwa, ti ban longotska wa nyokobie. Karamda verset pisila ataba. Pis la tabo zusoba yela amuyisti ad bom ni se son wilig levit ramba yela ya bam yum pisi la anuramba la sen yid woto on toroman sekro ratumdi verse pis la nu la bneta san tayum pis nu bi abastumda on vous anda letumye verse pis la yobe. A twen songa sambisa senya levit ramba ne tumda yel sek roga pouen. La tumda kale be azugye. Ya woto la mo yistoroman levit ramba ob tumda yelle. Tonde senkaramzini nga. Là où nous avons lu. Yawa gwama ki hirataba. C'est comme si y a une contradiction. Non, là où nous sommes. Il y a une autorité que Dieu a donnée. Non, là où nous sommes. Il y a une autorité que Dieu a donnée. Y a-t-il Lévite Bouddha Nelson Tayoum Pissi là nous? Dieu a autorisé en disant que si un des Lévites a 25 ans, à Toronquien, Sekroa, Zingoua, Mantouma Beyene. Il peut rentrer et il doit rentrer. Dans la tente d'assignation pour servir Dieu. La sa watayum pisnu et à l'âge de 50 ans, a toronyal sa tumna. Il doit arrêter. La yal sa tumna concernant le fait d'arrêter. Tonya meti wena menga yela me. Et Dieu lui-même a dit, a yal sa tumna après avoir arrêté, a toron songa sa mbisa. Il doit aider ses frères tub cheng tawre. Pour qu'il continue, pour que ce que Dieu leur demande de faire, que cela soit accompli selon la volonté de Dieu. Et s'arrêter et continuer encore. Je veux dire le thème de mon message. Et mes pères honorés, et vous qui nous avez regroupés ici en ce jour, tout ça. Et vous êtes à la fin de la mission, mais vous commencez une autre mission. Et vous avez achevé une mission, vous commencez une autre mission.
Ton sang jesse. Et si nous regardons de près, Sekurora Touma. Et l'église. Sendaya Toto. Hein, les œuvres qui se faisaient à l'église. Raya Tile Tayuoto. Et ça devait s'accomplir comme cela se faisait au temps de Moïse. Araboda Yam Yasida. Et demander de la sagesse, c'est vrai. Araboda. On demandait de l'intelligence, c'est vrai. La araboda yingpanko me. Et cela demandait la force physique également. Parce que yaman karm sebra soma. Si vous lisez très bien. Nazin mare. Et que vous calculez. Yam na yame. Et vous allez remarquer. Bumbondi sekurora. Là où on appelle l'église. Tonhana. Le temple ou la tente d'assignation. Voilà la tente d'assignation. Ndabodi sekurora. La tente d'assignation. Ça y a ni marav ni sumara à 20 au rond ma 20 mètres pisnu. Et selon les dimensions, ça peut atteindre 50 mètres. Ta yalma et la largeur ta mètre pisila nu est 25 mètres. La rayati de tout petit. Et c'était obligé pour eux de mettre cela en place. Tara tara pilier en bas, poto en bas. Il y avait des poteaux, il y avait des piliers. Il y a planches dans bébé. Il y avait des planches. Couteau de bébé. Il y a du fer dedans. Sans un bébé. Il y a de l'or. Donc tu es là, tu as tonnes ou tonnes. Et on peut dire que c'est des tonnes et des tonnes. Là, il y a un petit seul comment on va tenir le pour moi. Pendant, vous savez que pendant leur marche dans le désert, là, il y a Tilei. C'était obligé. Ti, when nam sa et tout yiki. Et si Dieu leur disait de se lever et de leur lieu pour aller à un autre endroit, ils étaient obligés de démonter la tente d'assignation et attacher. En tout cas, et ils vont s'en charger tchene, et marcher avec et jusqu'à ce que la nuit s'arrête et eux aussi s'arrêtent. Et là-bas encore, ils vont monter la tente d'assignation. Est-ce que si tu n'as pas la force, est-ce que tu peux t'associer à une telle œuvre? Vous tonnes en tienda. Et transporter des tonnes. Patronye. Ce n'est pas possible. Yari la wenam sinyele. C'est pourquoi Dieu dit. Lévite boudane tanta yum pisilanu. À 25 ans, tout lévite. Là, tu étais à Yamwe kame. Et ça veut dire qu'il est mature. A ying panko mbe me. Et il a la force. A hanta yum pisilanu. S'il a 25 ans. Il peut maintenant s'associer et rentrer dans la tente d'association pour servir. La hanta yum pisnu. Et à l'âge de 50 ans, ba yalse. Il doit arrêter. Tiens tout mda mosa. Et son travail maintenant, c'est d'aider les autres. Ba ya tout mningfa. Quelle que soit la mission. Ba zihilma hampa wa sekro rati la zihilum. Même si ça pèse pas comme le poids de la tente d'association. Fo han tum tum de. Si tu travailles. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise à un certain moment donné, mais tu vas constater que l'énergie que tu utilisais pour accomplir ta tâche, cela n'est plus la même. L'énergie que le travail demande, tu n'as plus cette énergie-là. Il y a l'intelligence. Il y a la crainte de Dieu. Yam chetame. Il y a la sagesse, c'est vrai. La panko makaye. Mais il n'y a pas la force physique. Bah ya tout mningfa. Quelle que soit l'œuvre. Watin kinamen tazikanga. Et tu arrives certainement à ce lieu-là. Si wena yetea. Et Dieu dit. Wakata woto sa wanta. Arriver à une telle position. Buhubang yam. Et il faut être sage. Lake. Et t'écarter. Afin que tu continues de servir d'une autre manière. Si tu ne fais pas cela, et tu peux constituer à la longue un obstacle dans la mission. Tu vas te faire souffrir. Et moi qui n'ai pas leur âge, et si quelqu'un me dit, de faire comme ce que je faisais il y a 25 ans, quand j'avais 25 ans. Et je vais demander à mes proches de venir m'aider parce que c'est quelqu'un qui veut ma destruction. C'est là où je veux m'amener. Cela veut dire que nous voulons vous dire merci. Et le Lango vous félicite pour votre vision et que vous avez décidé.
Et nous avons fini une étape de notre mission, nous commençons l'autre étape. Ce que vous avez fait, que Dieu vous honore, que Dieu continue de vous honorer. Et que Dieu permette que ce que vous avez accompli, que Dieu fasse prospérer cela et que vous allez vous réjouir de ce que vous avez accompli. Et je veux dire, vous devez savoir, même pour les fonctionnaires, ce n'est pas dit que vous devez aller chercher un endroit et avec une chaise se reposer. Quelqu'un disait que si tu vas un retraité de la fonction publique qui prend une chaise et qui commence à dormir avec la chaise longue, ça veut dire qu'il ne va pas vivre longtemps encore. Et votre mission dépasse cela. L'apôtre Paul dit dans Acte 11, 29, il dit là-bas, et tout ce que Dieu a donné gratuit, et l'appel de Dieu, et cela ne manquera point. Vous ne nous avez pas réunis ce jour pour démobiliser votre travail. Et si c'était ainsi, et vous n'allez pas voir Papa Samuel ici. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut annuler ou déconstruire. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut arrêter. Vous êtes toujours dans la mission. Et c'est, vous avez entamé une autre étape de du ministère. Et se reposer d'une étape du ministère et commencer une autre étape. Et fin d'une mission, début d'une autre mission. Et je ne serai pas trop long. Et si je m'arrête comme là où je suis présentement devant vous, parler de la prière, parler de la méditation de la parole de Dieu, parler des conseils, ce n'est pas vous, à vous que j'ai manqué du respect, c'est à moi-même. Parce que je sais que vous-même, vous voyez, connaissez cela mieux que moi. Et vous avez fait mieux ou vous faites mieux que ce que je suis en train de faire. Et je sais que la décision, l'alliance que vous avez conclue avec Dieu, c'est d'accomplir cette mission jusqu'à la fin de votre vie. Lorsqu'on donnait votre témoignage, c'est vrai que je vous connais, mais je ne vous connaissais pas jusqu'à ce point-là. Et cela m'a donné un modèle. Et la personne n'a pas été un serviteur de Dieu. Mais c'est quelqu'un de connu. Et les gens parlent de lui. Et les savants parlent de ce dernier-là. Et un journaliste lui a demandé, est-ce que pourquoi avez-vous une telle réputation plus que les autres? Et il dit, il a dit, ce n'est pas moi. Et quand vous parliez, j'étais en train de penser à ça. La personne dit, ce n'est pas moi. Et ma réputation est due. Je suis comme un nez. Un géant qui a porté un nez sur ses épaules. Je suis comme un nez. Qu'un géant a porté sur ses épaules. Les gens me voient, c'est vrai. Mais les gens ne remarquent pas le géant qui me porte sur ses épaules-là. Okay. Et ceux qui ont été mes mentors ont été des ayants. Et mes parents étaient des ayants. Ceux qui m'ont soutenu étaient des ayants. Et ils l'ont pris maintenant. Et si c'est à Koudougou, on va dire mettre sur les épaules.
Et les gens me voient. Et ils ne regardent pas le Seigneur qui est sous moi. Nyam. Vous avez parlé de Zéan, mais laissez-moi vous dire que vous-même, vous êtes un Zéan. Elle aussi, elle fait partie des Zéans. Ce que vous avez accompli dans ce lieu, vous avez fait une grande œuvre. Et vous avez annoncé la bonne nouvelle sur tous ces aspects. Si pour un yamona la main. Spirituellement, vous l'avez annoncé. Ning pour un yamona la main. Physiquement, vous l'avez fait. Lamdatum biraka yelia. Et je voulais saisir l'occasion et dire. Nam pour le bamba. Ceux qui vont les succéder en ce lieu. Ra yiminindo wa yeli. N'oubliez pas le géant. Ra yiminindo wa yeli. N'oubliez pas le géant. Rappelez-vous de ce géant-là. Et on a dit qu'il a investi son propre argent. La parole de Dieu dit que là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Mais il n'a pas fait qu'investir son argent. Il a investi sa propre vie dedans. Lui et sa femme. Ils ont misé leur vie dans le ministère. N'acceptez pas. Tu vois ton zin. Et que une fois qu'on se retrouve. Tu sourds sam. Et ok, une fois qu'il s'attriste. Tout le monde a été dingue. Parce qu'il remarque qu'il y a des failles dans son ministère. Ranyimia. N'oubliez pas. Ranyimia. N'oubliez pas. Tiba me yinindoro. Quel fut le géant? Yamero tikum pourda. Et vous êtes celui qui a succédé ce géant là. Moi ça m'a la belle bonne là. Et les mots aussi disent. Et le soir montre comment était la journée. Zabre, a unigda wintu osin yesoba. La soirée montre comment était la journée. Munda yawa bam tumda zabre. Et aujourd'hui, c'est comme si sont au soir de leur ministère. Zabre, ne ba han gubu woto wati mobila wati moto ya damba wati kent kenne noti kent kenne wiru. Comme ça ngesse. Si nous observons les gens qui sont nombreux ici, il y a des véhicules, il y a beaucoup d'autres choses. Ba ya zwang me. Même si tu es aveugle. Et vous pouvez penser à ce qu'il a fait pendant qu'il était fort. C'est pourquoi les gens se sont réunis ainsi. Ceux qui vont le succéder, je veux que vous sachiez, qu'on dit, et si par exemple, une penta dépasse une autre, si une penta dépasse l'autre, c'est que la penta se trouve sur quelque chose. Peut-être qu'il se trouve dans une petite termitière ou bien sur autre chose. Sinon, une penta, c'est une penta. Si vous le succédez, et que les gens vous voient et ils vous félicitent, et que les gens vous honorent, sachez que c'est sur son ministère que vous êtes en train de bâtir. N'oubliez jamais cela. Et je ne serai pas long. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse vivre longtemps encore. Que pour que vous puissiez continuer de nous enseigner. Et que Dieu vous donne longue vie. Pour que vous puissiez s'occuper de nous. Et que Dieu vous donne longue vie. Pour que vous puissiez prier pour nous. Que Dieu vous donne longue vie. Au nom de Jésus. Vous êtes à la retraite pour une partie du ministère, mais un autre ministère commence. Fin d'une mission, début d'une autre mission. Je voulais vous demander quelque chose. C'est une seule demande. J'ai une seule requête pour vous. Efforcez-vous. Faites tout pour que, de la manière dont vous avez accompli l'œuvre ici, et que ça ne profite pas à nous seulement qui avons connu ce que vous avez fait. Nous qui sommes vos contemporains. Ah, ok, nous qui sommes vos contemporains. Je vous demande, de tout mon cœur, efforcez-vous, faites tout pour que la mission. Que ça subsiste de génération en génération. Et nous, Africains, nous avons ce problème-là.
Un savant dit que quand un vieillard meurt, c'est comme une bibliothèque qui est en train de brûler. Je vais demander à ce que vous puissiez tout faire. Écrire un livre concernant votre ministère. Et ce qui s'est passé de bien, les difficultés, et la puissance de Dieu qui s'est manifestée, et écrivez. Si vous allez dans les librairies, et vous allez voir de nouveaux documents, et on va dire que c'est pour Calvin, et d'autres disent que c'est pour Luther, et on dit que c'est tel homme de Dieu qui a écrit. Et ils ont vécu, ça vaut plus de 500 ans. Mais si tu lis, tu remarques qu'il y a un enseignement là-bas. Et je vous demande, n'oubliez pas cela. Je vais demander aux enfants. Et je sais qu'il ne doit pas manquer des gens qui sont intelligents. Il y en a. Il y a mort. À Mori, y a français. En français, y a, peut-être qu'il y a des anglophones parmi vous. Et utilisez votre intelligence. Investissez votre intelligence en écrivant, en rédigeant le ministère de ce géant-là. Et si vous faites comme cela, vous n'avez pas investi à perte. Faites cela. C'est de tout mon cœur que je vous demande. Et si vous me croisez, vous qui nous avez incité à faire telle chose, si c'est quelque chose, je vais vous donner. Pour que le témoignage de cet homme de Dieu ne se limite pas à sa génération. Que le ministère de cet homme de Dieu puisse subsister de génération en génération. Pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et le ministère que vous allez commencer maintenant, que Dieu fasse en sorte que ça soit honoré. Que le ministère que vous venez de prendre retraite, pour laquelle vous prenez retraite. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Dieu nous a parlé. Je sais que beaucoup d'entre nous sont déjà en Jésus et ils ont Jésus comme sauveur et Seigneur. Mais si quelqu'un voit tout ce témoignage et il rate le paradis, il ne peut pas accuser Dieu, même le diable ne peut pas accuser. Si tu crois au Seigneur Jésus, toi et ta famille, vous serez sauvés. Nous allons demander au président de la région des Orgos de bien vouloir s'approcher et demander au président de la sous-région d'ici pour qu'il s'approche. Le coordinateur va revenir. Papa, mais si on va demander à ce que... Et aider le papa à venir ici parce que voilà. C'est une équipe qui va travailler. C'est concernant le processus de remise des clés. Tout le monde est amené nord et ben nord tengri. Et nous, moi aussi, on dit qu'il y a autorité dans autorité. La nord tengri, nord ombe. Et après, la sous-autorité est une autre autorité. Rewa, et cela veut dire Columbia qui sera pour la remise des clés anan tunoren kyang la remise tunoren kyang. Ça va passer d'une personne à une autre et encore revenir. Tiboy norbe nortengre parce qu'il y a autorité dans autorité. La nortengre norm bébé. Et à peu près la sous-autorité est une autre autorité. Wana ning baraka. Que Dieu vous bénisse. Ma bonjour. Amdatindika wendo wa Columbia qui se sous-région président à te bam hanton qui ça soba bob op qui se tata hanton ta sobneng. Comme je dois prendre ma retraite, je donne les clés de l'église au président de la sous-région pour qu'il les mette à qui de droit. Barakwena gloire à Dieu mamena andika kulumbila. Moi aussi je vais prendre les clés
consolement. Les mettre à la région. Parce que la région est plus grande que nous. Gloire à Dieu. Je dis merci encore à Dieu. On va prendre encore la clé. Remettre au coordonnateur. Docteur Yamwego Enoch. Docteur Enoch Yamwego. Ok. Vice-président Sembeka, c'est à Laurent. Ton enfant, vice-président. Comme le vice-président est là, il est le vice-président du bureau exécutif. C'est lui qui va recevoir dernièrement les clés. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Burkina Faso, assemblée de Dieu, ouais, la soul, piso, poé, la tabo. Tu veux, ouais, là, nous, on a, tu veux, sous la sainte dame, bam, pila, tabo. On a 73 régions et 13 centres. La assemblée de Dieu, mais Burkina Faso, Zadou, Wendo, Wusko, tous Boua. Tonde Nyorna Santam Pila Pila Tamba Pouin, de Docteur Yamero et no get Sant numéro 2 yele, la Wendo Kanga Sakda, Santa Kanga, retona, deca, Kulimbis and Long Yure, Coton Santa Tol Saba, ta song, de Toro Siginta Nanzininga, Tonta Zininga, de Wendo Revue Missama, Burkina Faso, à Jésus Massiming. L'assemblée, les assemblées du compte des milliers d'églises. Et le pasteur Enoch, docteur Enoch Yamwego est le responsable du centre numéro 2. On va lui remettre les clés pour qu'il remette acquis des droits. Vous voyez même que ce n'est pas facile de recevoir ces clés-là. Il est le coordonnateur du centre. Comme il y a le président de la région qui est là, il peut être rapide dans la mission. On m'a remis les clés de l'église que vous voyez. Et je suis le président de la sous-région, mais je suis à Zorgo. La pasteur Mbeka Nande Nikemzinha. Et il y a un pasteur qui est là pour remplacer le pasteur qui va à la retraite. Bambi Kane. Il est ici. Il dort ici, se réveille ici. Je vais lui remettre la clé. Et c'est lui qui va prendre soin de l'église d'ici. Amen. Nina. Nina. Vous les présentez. Vous les présentez son nom. Bamla. Pasteur Kabore Esaïe. Lui, c'est le pasteur Kabore Esaïe. Bamla Wendoa Karsa Mosa. Et à partir d'aujourd'hui, c'est lui le pasteur principal de cette église. Mina. Amen. Ton Zusobla ton Wenam Samvuya. Nyam Beka. Nyam Mifa. Nyam Nefa. Nyam Tarapanti Tonfa. Ya ren la ton sul gudut zut yam tor wa kat kanga halibe on ti tanka et fa ya barak pous ro ti tese nyamba e manere yinga la yam ya wenam som mandi ne banere nyam ya wenam san tar wa kato la rundo ya wakat nyam se nyake en na en zinton sukwa on pouki belem nrega de baraka pous ro la leben tere pang nugu ning baraka Pipi zu soba, ta yam yam, la tay nong lum yamba, ne yem poaka, top sak yamba tulsum, yetiruna, bamna saka yam dara, en kien vouswa sul pouin. Ton kota yamba, ti pang nugo zindi, pasteur Eline para, la kam lab yaranse ton sen kil boum ninga zug, wakat kanga, tabson kien vous sur le pont biyam goudum nugu nyarba nyam pang nugu nyarba amen nyam nonglom nyarba amen nyam yam lay bangr lay minum nyarba amen top kel man tumda wabson gom kama un song od neba taba a jesus mas manyinga amen su soba awanyam nonglom yem sa sinyasa oblika zwe sa tumde un dogole Nyam nintun sutsa. Karen samba ne para son nyiriam taura. La ton fan taura. Et narda taba. Ne yama yemre. La ratma yemre.
nyoko nyam sera tikiti baraksa ni zugu wakat kanga amena tikiti pang sig sase un bibu wakat kanga amena kwen yam la bangre la minim sen yitiam nenge wendo wazabo timos manab yel bunti bwang roda biga pour na vous bam tuma tum ratia gandalam tum titon perda juste ba wena nyam pa lebe pour ye nyam pa nya ziga yemre son iti ndere de moi sawa tal no som la pang manti yire on lora amina ti nyam ya wena am son tum den chenga tawri la par panga rikda karsam ne para la zakaram fam bahar yam nugwe en yeti yam so mi fawa yinge ti ton pa mi fawa mam som bang ngome lam som pa bang ngome ti yam yo lo miti a soma ne karan sa mbal ne para la window wa bira mo ngobye amina song eto pam ti seke amen ti window wa talara san ne yir pinda ti yam yura pam wa gure ti sous région à la région à point obleman man sunoro ne yam baraka hansige yinga je saba wenam ton rika famba yam nuwe yeti ningi baraka ti sekne ni fas en wakalundo wa a Jésus Christ ton fada ma samyinga amen maria san kema ho yum ya maria ha men kema mam yum da yemre le maria l'anniversaire du maria me dépasse d'une année la Chebra yela mtop ye la piete fora chebra chebra ganda bdo san datte la bible dit que Pierre mettait sa ceinture et il allait là où il voulait la wakatan watop na son von chebra ta von cheng von parat et il y aura un temps où on va quelqu'un d'autre va s'occuper de te mettre cela et t'amener là où tu veux mana bala on yak mam tmam je bum kangawa mam lebu ga pasteur et comme on m'assoit pour faire cela je deviens votre pasteur then bunda wa mama wato yam ya mam karambisi donc à ce temps présent vous êtes mes disciples Monsieur Kabore Eli. Monsieur oui? Kabore Eli. Yamna Sakampiga, Mademoiselle Zachary Esther. Consentez-vous à prendre Mademoiselle Zachary Esther? Top quel yam shuri bum linghunda yawabi. Yay. Pour qu'elle soit votre bien-aimé. D'accord. Aya. Mademoiselle Zachary Esther. Mademoiselle Zachary Esther. Yelam Toma. Elle a dit Thomas. Yamna le sacramente ba ablebam pok yambob nusiwa handa yi totowa. Yay. Consentez-vous à vous laisser soulever comme au devait. Dawa ketin datamde. Maman fait toujours son monsieur. Oto yinga when ma si son longol ma hambuni yam yi ba sunya posonwa. Grâce à l'amour de cet esprit qui jaillit dans vos cœurs. Hambunde. Yam shinya posenta binga. Comme l'amour de Dieu coule dans vos cœurs l'un envers l'autre. On casse ton wa. À tout moment. Mam pasteur Malgubri Burema. Moi pasteur Malgubri Burema. Alagi Ahmad bi hinde bako pasteur. Enfant de pasteur Alagi Ahmad. Mam yeta meti yam daya. Je dis que vous étiez. Yam daya dawa ne para. Un mari et épouse. La yam ketia ne va faire na na mahayele. Yam ketia. Vous êtes toujours mari et femme. Nan keleyi. Et vous serez toujours mari et. Ne wan nam su ya ba la bible la si songure. Alléluia. Alléluia. Ben ton nan de ngelra sous région a te buil ton bom ning bam sandatin ta sa papa. On va voir d'abord les cadeaux de la sous région. Arkwena, gloire à Dieu. Ton ne sous-région. Au nom de la sous-région. Yure. Au nom de la sous-région. Ton mana sapuka kanganda ton pousiam zambio. On a fait ce tableau pour vous dire merci. Yam samane sous-région pour la wendoga pour tout ce que vous avez accompli dans la sous-région et au niveau de l'église. Que Dieu vous bénisse. Masaya Zungwindura. On va mettre à la coune dans le coin, papa. Procéder à la remise du cadeau de l'église de Zungu.
C'est au nom de l'église que le cadeau est remis. On attend l'AIC régional de Zorgo, leur cadeau. Il y a un anniversaire. Voilà, il y a un mariage. Voilà, ok. L'AIC va prendre la photo. C'est la remise de leur cadeau et alléluia. Prendre des poses. Alléluia. Pour les gens qui sont Zung maire. Après leur étape, on va écouter le maire de la commune de Zungu. Otoya AIC régional. Les cadeaux de l'AIC régional. Zorgo. Zorgo. Ah oui. Ton membang pasteur te ka ma mezung teng so bi ton membang pasteur te kan te gan taruna ya ned ya ton tumna ya ned ya so bu ko som saba ya ned han tar shuguri donc pasteur ya exemple on ton fa gelle te ton kelam bo ro wen to wen kelam barka ne poro wa fa gelle la barka tu ngene ba fa gelle wen wo wala nyore passe barka yiri barka ni ngafa je passe la tinga todam ni se fa yi kiem sen wa karuna ya jusien que donc pasteur ne par ne quoi ma le jusien que donc jeune commune ar pasteur Samuel jiga ya tele la tonmi ya ta mam la mam ya bam dunam polon po da biora donc we nu pa kon ko ba donc mam kana yi wo ku sugo ya jeune conseil municipal le yori nga conseil de ma fa yori nga prend la parole la ton me pam kado bil fena wete sale saye ta bum won abum paw de mena wiliga apara donc tout me yena me ko ba mi wa en wiliga tout sou no ma neba ton ke dem bo dam ke dem be bam lugunte ko bam ton saxal se te ton ni ci ma ya kalebe ton ke dem bo dam pam ni am saxal se te jung ke len ci ang tawre pousi la bar pousi ko pour résumer il allez-y il est le fils du Teng Soba de Zungu. Il a fréquenté avec la une des filles de pasteur. Et il dit que c'est un homme de pardon, un homme de douceur. Alléluia. Et un, vraiment un exemple pour la société d'aujourd'hui. Pour leur cadeau, c'est un pas un habit. C'est joli. La force est tout ma main. Mais sous faille, il y a si d'un titot mi pur à main. Babi sa faille, il casse tout. La wena menga ya rayamba. Tiam toronga di menga kiki. Yeah, a churum bebo. Papi kabore, mami kabore. Yasida, ti pas mi pur ame. Babi sa fan y kase tu. La wena menga ya reyomba. Ti am tomba li tu manene e choro bebe Choron bebelo, bebelo, yo vida. Choron bebelo, bebelo.